Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation de la souris Iron Man qui est vraiment pas mal. Alors là elle paraît grosse parce que je la filme de très près mais elle n'est pas grosse du tout. Alors elle s'allume. Là on peut voir qu'il y a marqué la petite mise au point peut-être. Non, c'est Sony. Voilà, c'est la marque. Après il y a la molette qui s'allume en vert. Peut-être filmer d'un peu plus loin pour voir. Voilà. Après, il y a marqué la mise au point, non? Peut-être. Il veut pas faire la mise au point. Voilà. 6D Gaming Mouse. Avec, il y a les deux boutons, la molette. Il y a deux boutons sur le côté qui permettent de je ne sais pas quoi. Je ne vais pas vous mentir. C'est pour monter et descendre, je crois, mais je sais pas en fait. Alors on a de très beaux designs sur le côté, c'est vraiment vraiment pas mal. À l'arrière, on a un petit espace comme si on peut l'aérer. Je ne sais pas, c'est nouveau. Là, on a vraiment un très beau design, vraiment Iron Man. Si vous connaissez le personnage, c'est le même, mais la petite nouveauté, vous dites Iron Man, les yeux s'allument. Eh bien, effectivement. Les yeux s'allument en rouge, en bleu et en rose. Et on peut les éteindre. Moi, je vais le laisser en rouge parce que comme ça, ça fait vert, rouge et bleu. Elle est vraiment pas mal. C'est une souris normale en fait. Elle marche très bien. Hein. Mais le design est vraiment pas mal. Par contre, il veut pas faire la mise au. Voilà. Voilà. Elle est vraiment pas mal. Elle est stylée. Vous voulez voir le dessous? Il est comme ça. Voilà là, le dessous. C'est un dessous basique en fait. Hein. Il n'y a rien de bien qui change. Mais alors la couleur ne change pas toute seule. Hein. J'ai marqué qu'elle change pas toute seule. Il faut la changer manuellement. Mais voilà. Et maintenant je vais vous montrer la nuit. Et on se quittera pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.